Ce dimanche 8 septembre a eu lieu l'élection de Miss Auvergne 2024 à l'Opéra de Vichy. Elles étaient 16 au total à se lancer sur le podium pour espérer participer en décembre prochain à Miss France 2025. Et si Esti Roman Agostino qui a remporté le titre? Qui est-elle? Télé Loisirs vous en dit plus. La 95e édition du concours Miss France 2025 se prépare avec l'élection des Miss régionales à travers toute la France. Ce dimanche 8 septembre a eu lieu l'élection de Miss Auvergne. Un événement qui s'est tenu à l'Opéra de Vichy entre 16 candidates qui ont présenté au total 7 tableaux dans des tenues variées et sur des thèmes différents. À l'issue de cet après-midi glamour, l'une d'entre elles a été élue Miss Auvergne 2024. Il s'agit de Roman Agostino qui succède à Oriane Mallet pour qui le comité a eu quelques mots sur sa page Instagram officielle. Chère Oriane, tu rends ton titre. Au nom de l'ensemble du comité, nous devons te dire ô combien nous sommes fiers d'avoir partagé une partie de son année avec toi. Nous sommes sûrs que la suite te réserve de belles surprises et on sera toujours là pour te soutenir dans tes projets futurs. Miss France 2025, qui est Roman Agostino, élu Miss Auvergne 2024 à Vichy. Peu après le couronnement de Roman Agostino, le comité a posté une photo sur laquelle la jeune femme arbore fièrement son écharpe de Miss Auvergne 2024. Roman Agostino est votre nouvelle Miss Auvergne. Félicitations à elle ainsi qu'à l'ensemble des candidates. Peut-on lire? Sur sa page Instagram où elle comptabilise plus de 3900 abonnés, la jeune femme de 27 ans poste des photos de son quotidien, notamment de ses vacances comme en mars 2023 au Mexique. Dans sa bio, elle a indiqué être originaire de Clermont-Ferrand, mais aussi de Bordeaux et Paris. Quant à son métier, elle est ostéopathe animalier. Un amour des animaux qu'elle a depuis toujours, comme l'indique le site Clermont Info 63. Dans les études, la Miss Puy-de-Dôme est restée fidèle au monde animalier en pendant la voie d'ostéopathe animalier, pour le bien-être des animaux. La jeune femme s'est confiée sur cette activité. Dans ce métier passion, on tisse un lien spécial avec l'animal qui comprend très vite qu'on le soigne en lui voulant du bien. Ma conviction est qu'il est possible d'apporter du réconfort à l'humain à travers son animal en 2022 déjà, dans un entretien à la montagne, Roman Agostino parlait de son désir d'être auprès des animaux de par son métier. Mon souhait est d'ouvrir mon propre cabinet. Je suis très attaché au bien-être animal et ma conviction est qu'il est possible aussi d'apporter du réconfort à l'humain à travers son animal. Ce n'est pas une profession encore très répandue, mais cela se développe, expliquait-elle. La publication de Roman Agostino arborant son écharpe de Miss Auvergne est à découvrir en cliquant ici.